Bonjour et bienvenue dans ce Daily Vlog numéro 14. Et c'est le dernier. C'est la fin d'une série. Fin d'une série, fin d'une aventure, fin d'un petit challenge. Fin de la saison 1 des Daily Vlogs des Shadowhouse. Saison 1, puisque Julo se chargera de la saison 2. Il y a du taf, hein. Il va falloir que je regarde des tutos, là. Ouais. Ce matin, bah, nous, on est la team blessée encore. Moi, j'ai encore mal à la cuisse. Julo, toujours ses tendinites. Et on peut pas faire la séance de vitesse avec les autres. Moi, j'ai quand même essayé de faire les chauffes pour voir si je pouvais, mais je peux pas. Je me suis vite rendu compte. Et Julo, bah, faut mieux jouer la carte de la sûreté. Et on vient de se rendre compte qu'il a neigé sur les petits sommets derrière, là-bas au fond. Je pense pas que vous voyez, mais il fait un peu frais ce matin et on parlait des premières neiges qui font toujours plaisir. Ah, ça, on a hâte de voir l'hiver, là. Donc, une petite séance de vitesse pour les autres et puis bah, après, on se mettra en route pour rentrer et finir ce stage. Ce gros bloc d'altitude pour moi et ces 2 semaines d'altitude pour les autres. Que dire de plus? Ben voilà, hein. On va s'ennuyer maintenant, tous les soirs, il n'y aura plus rien à regarder. Oh, on a encore 2 soirs. Ouais, il y a encore 2 soirs, après, fini les vlogs. Et ben voilà, c'est une bonne chose de faite, Shannon. Ouais, moi je suis content que ça s'arrête parce que ça commence à me fatiguer un peu. J'en ai un peu marre du montage là. Allez, on va retrouver les autres sur la piste. C'est la guerre! Oh! Je suis NASA. T'es à l'heure? Ouais, je suis même en avance, bande de Roya. Quel est mon bus? Là, vous aviez mis votre bus. Il y va. Ça va, Julo? Fin de stage. Ça rentre? Non. Je vais laisser conduire Thibaut. Pour moi, je sais pas conduire, a priori. Donc. Oh, mais là, comme on est bien! On est nickel, hein? On est nickel. Ça va, ça s'est bien passé, vous? Pas eu de bagarre, rien? Trop bien. Non, lui, en Paris, c'était hier soir. Quoi, genre, respecte les horaires. Bravo, Fifi, bon, ça a vraiment été bon. Très, très bien. Déjà, t'étais en retard à l'heure du chargement. Donc, c'est bon. Grâce à Fifi, c'était en retard. Comme ça fait plaisir qu'on le notifie qu'on est à l'heure. Ouais, merci. Après un travail acharné de bois, combien? 2 semaines. Ouais. On est enfin à l'heure. Y a pas merci d'avoir cru en nous. C'est pas Steve Janavos là. C'est grâce à vous, les followers. Vu l'ambiance qu'il y aurait là, la même situation que l'année dernière. Bon, on se fera la gueule avec. Bah, y a pas énorme d'ambiance pour passer comme vous. Mais t'avais une trace de main là l'an passé au niveau du cou. Jusqu'au pique-nique là c'était l'enfer. Hein. Ouais. C'était que dire. Non, de toute façon c'est lui. Ouais. C'est un gros con de toute façon. Ça vous connaît, ça vous connaît. Non. Moi j'ai cru là. Bah il croit, il veut jamais trop. Tu veux pas changer la musique? Pourquoi? Je sais pas, c'est l'électrique de ton iPhone. C'est mon iPhone? Eh hey, Julo, je peux te mettre. Wouhou! Ouais, je me sentirais mieux peut-être. Oh, il a mis la petite chemise jusqu'en haut là. T'es un beau gosse. Allez, bonne route. Va pisser. Oh, c'est lui, il va hyper loin, mais pisse! Moi j'avais presque envie, je vais attendre. Non, bah on y est. Ah non, si Ron il a attendu une heure et demie, tu peux bien attendre 10 minutes. Oh, il a pissé dans la bouteille et comme ça on aurait quelques minutes. Dans le congéricain. Comme ça on aurait su de la capacité de sa vessie. Ah, bah là, ouais, je pense qu'il était bien au max. Bah là, elle est au max. Quand tu pisses debout, tu pisses pas tout, t'as toujours un petit. Faut pisser comment? On en a parlé. Pour tu pisses assis, tu vides plus que si tu pisses. Bon, c'est bon. Là-bas au fond, là? Goulbil? Non. Non, ça c'est Green Gold un peu. Grunbild, ça c'est. C'est pas vraiment jaune, ça. Okay. C'est pas jaune, c'est jaune. Parce qu'en fait, on a dit, on fait pas les tendances. On a dit, il est vraiment jaune. Ah, faut que ce soit du jaune de la poste, quoi. Jaune fiance. Bah, poste ou DDE, là ça marchait. Ouais. Ou les jaunes quoi. Jaune de la Smart, toutes celles qu'on a dit. Voilà, ouais. En ce moment, ça tourne beaucoup les nouvelles Peugeot là. Les Peugeot sport. Elles sont toutes jaunes. C'est pas trop sport, mais. Bah ouais, mais elles sont mignonnes. Ou la Mégane à moitié, tu vois. Ouais, ça c'est jaune. Et Ron, il est toujours en train de pisser. Mais bon là, tu y arrives. J'ai retrouvé le sourire là. Je peux resserrer la ceinture. Ça va mieux? Ça faisait depuis combien de temps là? Je sais pas, depuis qu'on est parti. 1h10. 1h30 quoi. Ouais, t'es en train de revivre, non? Ah, là, c'est... Cette sensation, après, c'est la meilleure incroyable. Sensation, c'est encore mieux que quand tu finis. J'ai attaqué le pic. Moi, je pouvais pas attendre.
C'est l'effet de la garrigue. Ça garrigue. Allez, mais dépêche-toi. Et toi, si tu fais quoi, là? Ah, t'as ton pique-nique qui a fui? Ma salade de riz qui s'est vidée dans mon sac, je crois. En plus, t'as fait tout à l'heure qu'il nous en parle de ta salade de riz. Je vois pas le riz. Est-ce que je vais arriver à sortir un grain de riz? J'ai l'impression que c'est que la sauce qui est sortie. Je suis curieux. Regarde la gueule de mon sac de pique-nique. Hein. Allez, on va manger là-bas. Bon appétit. Merci. Regarde, on est redescendu d'altitude, Lucas. C'est pas magnifique? Regarde. T'as vu ta neige là-bas, Lucas? Regarde. Hop, ça y est, on est descendu d'altitude. Tac. Ah bah moi, il me tourne le dos carrément. Ah, il y a Lucas. Lucas, il passe la caméra. Il est tombé amoureux de la mer. Joel Clodo. Moi, bon, vas-y. Oh, je demande, oh, c'est bien. C'est le moment gourmandise un peu là. Ah, ça fait plaisir. Hein. C'est quoi vos projets en là aussi, ça se régale. Ça se régale, c'est enfin. Quand on Juju là. Juju, allez. J'ai rien dit. Fin du vlog, alors je rassemble tout le monde pour vous dire un petit mot. Bon, il n'y aura pas de bonne nuit ce soir. Alors. Du coup, c'est une bonne sieste. Vous pouvez dire bonne nuit, au revoir, je sais pas ce que vous voulez. Ah, arrête. Au revoir le vlog. Au revoir les chiens d'avos. Salut les chiens d'avos. Et bravo, et bravo Lulu d'avoir bravo réussi. Lulu. Ah ouais, attends. Ouais. Bravo Lulu. Là, je me désexcuse. Je m'excuse. Je m'excuse aussi, je suis désolé. Les trois, c'était qui le troisième qui doutait? Il y avait toi, toi? Non, quoi, moi? Mais surtout vous deux. Moi, il y avait que vous. J'ai pensé fort, moi, je l'ai pas dit. Toi, t'es un lâche, quoi. Excuse-nous, Lucas, t'as été très doué. Vas-y, redis-le. Je suis désolé, Lucas. Bravo pour la sortie de tous tes vlogs en temps et en heure et de qualité en plus. Bravo Lucas, désolé. Comme ça leur fait mal. C'est douloureux. Attends, après on n'a pas fini. Faut voir si le 30 il sort. S'il y a encore les deux prochains qui sortent. Après, mais... Attends, toujours celui du Canada quoi. Ouais, ça c'est vrai. Ça, j'ai pris Manon. Ça bouge pas. De toute façon, vous êtes jamais content. Hein. Oui, ça oui. Voilà. L'équipe. Allez, ciao, dites au revoir, bisous. Ciao. Bon, je me rends compte que je vous avais même pas dit un petit mot de la fin. Donc je remercie tous ceux qui ont suivi ces vidéos, qui ont pris le temps de commenter et qui nous ont suivis au quotidien. Ça fait vraiment plaisir. Moi je suis content que ce soit fini parce que c'était quand même beaucoup de boulot et ça a un petit peu joué sur ma fatigue, mais j'espère que ça vous a plu. De mon côté, ça a été positif de bosser sous la pression, d'avoir une deadline et ça m'a permis de bosser un petit peu sur le perfectionnisme parce que je devais rendre des vidéos à un certain moment. Donc c'était pas grave si elles n'étaient pas parfaites et elles étaient loin d'être parfaites. Mais au moins, je les ai rendus à temps et c'est mieux que de ne pas en avoir du tout. J'espère que vous avez apprécié de nous voir au quotidien et découvrir les athlètes de l'équipe. Je pense que le ski de fond, c'est un sport réellement difficile et du coup, ça rassemble des personnes autour de certaines valeurs communes. C'est pour ça qu'on s'entend aussi bien au final, je pense. Donc j'espère que vous les avez appréciés tout autant que moi. J'aime cette équipe et ces personnes qui en font partie. Moi, personnellement, ce petit défi d'une vidéo par jour, ça m'a donné envie de faire plus de vidéos, de m'atteler à mes projets parce que j'ai beaucoup d'idées pour YouTube, pour cette chaîne, pour créer des belles vidéos avec ce groupe, entre autres, et d'autres personnes encore. Et là, ça m'a donné vraiment un coup d'élan, donc j'espère que je vais poster plus. Il y a certaines vidéos qui devraient arriver, notamment cette vidéo de Tianmore dont on a beaucoup parlé, un vlog après Manon aussi. Et je vous en dis pas plus, il y en a encore quelques-unes. D'autres projets aussi qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne. En attendant, merci encore d'avoir suivi toutes ces vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Même si on est peu nombreux, je pense qu'il y a aussi beaucoup de nos proches qui ont regardé ces vidéos et c'est aussi pour ça qu'on le fait. Je préfère une petite communauté très forte qu'une grosse communauté qui s'en fout. Et venez, on crée la petite communauté la plus forte du ski de fond mondial. Bref, j'arrête de vous saouler avec mes histoires. C'est la fin de ces daily vlogs officiellement, mais c'est que le début d'une nouvelle aventure. J'espère que vous allez bien. Bisous.